La courroie d'accessoires s'est cassée. Donc on a été planté dans le bourg de Paimpol le temps de faire refroidir le moteur. L'air de camping-car, on s'est dit bon bah on va à l'air de camping-car, au moins il y a de l'élec, voilà, ça va recharger les batteries. Donc on se branche sur le 220, on recharge les batteries, et puis c'est bon. Et là on arrive ici, panne d'électricité, quoi. Pff, j'en peux plus, quoi. Tout le monde était en train de démonter son camping-car pour voir si ça déconnait ou pas, quoi. Donc là, il y a une dame au fond là qui a pris les choses en main et qui est en train de voir tout ça. Et puis voilà, quoi. Je sais pas du tout comment on va finir cette histoire. Voilà, le point positif, c'est qu'au moins le chauffage marche. Donc là, allez, on va chauffer à fond. Ah, ça y est, ça marche. Alléluia. Alléluia, on a l'électricité. Ça y est, ça marche. Et puis j'étais en train de filmer, c'est énorme. Hello, donc voilà la suite des aventures. Donc c'est bon, on a récupéré toutes les batteries, sont au max. On a trouvé un garage et il nous attend, il reçoit la pièce à 10h30. Et là, il est quelle heure? Il est 10h15. Il nous faut 3 minutes pour y aller, donc j'espère que le moteur, ça va, normalement, ça va le faire. Voilà, nous voilà au garage. Auto Minute Paimpol, super sympa. Le monsieur, il a plein d'humour. Il est super. Alors, la courroie arrive aux alentours de 10h30, 11h, quoi. Donc, alors, et puis en plus, c'est carrément top, parce que là, il y a du vieux camping-car là-bas. Ouais, le voyageur, il est pas si vieux que ça, avec la big antenne satellite sur le toit, en intégrale. Ça doit être génial. Et puis, évidemment, le vieux Notin, ça, celui-là, il est vieux, sur un Peugeot. Ah ouais, c'est des vieux Notins. C'est introuvable, ça. Ah, sur un J5. Oh, ça vaut une fortune, ça. En collection, quoi. Oh, ouais. Est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Ah, malheureusement, on peut pas voir à l'intérieur. Oh, c'est mythique comme engin. En alu. Bravo. Top. Ah, il y a même un McLuis ici. On est un peu... j'ai l'impression que je suis un spécialiste des camping-cars. Bah, on est bien tombé. Ah, top, le monsieur, il retape une dodoche entièrement. Ah, on est dans Wheeler Dealer, là. Génial. Superbe. Fourniture, pièces et équipements. Voilà notre sauveur. Armor, pièce auto. Normalement, il doit livrer la courroie. Nous voilà à Plounet, ou Plounez, c'est une commune de Paimpol. Puis pas pendant qu'il répare le camping-car, nous, je pense qu'on va aller visiter l'église et peut-être trouver un petit bistrot pour boire une grenadine ou un café. Dans le village des choux. Vache, les choux à perte de vue. C'est beau. Et les filles sont là, un peu à la traîne. Bon bah malheureusement l'église est fermée donc on pourra pas la visiter. Le garage vient de m'appeler, c'est prêt donc on retourne là-bas. Allez c'est reparti pour une petite demi-heure de marche. Évasion 22. Moi, j'aime bien l'évasion 38. Donc, c'est double marre.
Ah, Gypsy, le même bateau que mon frère. Enfin, son ancien bateau. Gypsy 28. Excellent. Ça me rappelle la descente qu'on a fait, le convoyage. On l'a ramené de la Berildute jusqu'à Port-Morin, à Noirmoutier. Avec une tempête sur l'île Dieu. Je m'en souviendrai toute ma vie, cette histoire. J'en parlais juste avant, l'Évasion 38, celui-là, avec timonerie intérieure, double mât, magnifique, avec la cabine arrière, cabine carrée, il doit y avoir un lit à l'avant, timonerie intérieure, ça en cas de tempête, c'est top. Par contre, il y a les deux mâts à gérer. Mais bon, oh, les beaux bateaux de pêcheurs, qu'est-ce qu'on est bien en Bretagne quand même. Même une rue à Paimpol. Sympa. Bienvenue sur la plage de Stossen. Ouais, on a été chercher des jeux, on les a pas trouvés. Et puis on est tombé sur ça. Une espèce de grande piscine qui permet sûrement de se baigner, c'est sûr, à marée basse. Avec plein de sable, donc on est contente avec Jeanne. Puis Clémence Roupy, voilà, c'est la plage de Stossen à Paimpol. C'est magnifique. Bon, allez, on va aller quand même mettre les pieds dans l'eau. Et il y a des bestioles dans le sable. Ah, il y a des bestioles, il y a des pieds dans le sable. Ah, quelle horreur. Ah, il y a des vampires, il y a des pieds dans le sable. Faites voir vos pieds. Pieds en l'air. Ah, les monstres. Ah, 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 je me fais attaquer, je me fais attaquer. Je me fais attaquer. Alors dites-moi tout, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous êtes déguisé? C'est Halloween. C'est Halloween, alors vous allez donner des bonbons ou essayer d'en prendre? Bah les deux. Les deux? Nous on est des monstres gentils. Alors parle fort parce que le micro est faible. Un corps en barre. Ah, c'est pour ça. Bon bah alors... On est des monstres gentils, on va en donner aussi. Ah d'accord. Voilà. Bon bah allons-y alors. C'est parti. On a passé une bonne semaine, mais bon, pas mal de points positifs. On a vu des paysages magnifiques comme d'habitude en Bretagne, des super rencontres, Van Life BZH, Camino, Freedom ce matin, des copains qui n'ont pas voulu être filmés, donc on ne les a pas filmés évidemment. Voilà, donc on a vu plein de monde, on a été très heureux au niveau amitié, alors un peu moins au niveau de la flotte parce qu'il a plu et plu et encore aujourd'hui il pleut. Bon, c'est comme ça, hein. Tempête. Et puis pas mal de problèmes sur le camping-car, batterie, courroie, rebatterie, et voilà. Donc bon, c'était pas des vacances super reposantes, mais c'était chouette. Donc allez, à bientôt, on le voit pas Charles, hein. Tu veux dire un petit coucou? Au revoir, on s'abonne. Au revoir. Encore moi, bah, finalement, la vidéo n'est pas finie. Ce matin, on rencontrait... François et Bertad de la chaîne Camino Freedom, super sympa. Ils font le tour d'Europe en camping-car, ils sont super cool. Abonnez-vous à leur chaîne, hein, super, je mettrai le petit lien, je sais plus où c'est, là ou par là, quoi, en haut.
Et puis donc il y a la chaîne Carpe Diem Family qui m'a appelé, qui m'a envoyé un petit message tout à l'heure. On est à côté de chez toi, donc on va aller les voir. On va essayer de les choper. Je vois un camping-car qui est là-bas, mais je sais pas s'ils sont là. Ouais, je pense qu'ils sont là. Oui, ils sont là. Il y a Stéphane qui est là, super. Bon bah voilà quoi, on est pas très loin de la maison. Ça s'appelle, bah, y a un petit étang, hein. Je vais taire le nom parce que c'est pas sur Parfumact. Ça c'est les coins, ça c'est les coins privés quoi. Ça va Stéphane? Ça va bien. Yo. Tranquillement. Bah tranquille ouais. Alors il est bien mon spot ou pas? Franchement sympa. C'est relax ici. Quand il fait beau c'est mieux. Salut Nadia. Salut les enfants. Bah quand il fait beau, nous on rentre de Bretagne, on s'est fait saucer grave. Ah ouais non ici. Pendant une semaine, on n'a pas arrêté de se faire saucer. Attends, je cadre mieux quoi. Ouais, voilà, quoi. Passé, même pas un peu de soleil, rien. Si à Paimpol. Alors abonnez-vous à Carpe Diem Family, hein, c'est eux, voilà.